check. Ça marche, les dit à toutes. Je l'aime trop, ce jeu, il est trop bien, les gars. Dun, dun, dun. Dun, 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 dun. Horrible. Je vous crève les tympans dès le début du stream, les gars. Ok, c'est bon. Alors, on en était à la zone pirate, à la zone Sea of Seals. On avait ouvert ça et ça, normalement. Alors ça, est-ce que ça attire du monde? Pas trop trop, hein. Pour l'instant, c'est pas trop trop ça encore, hein. Et on perdait de la thune, là, on est plus qu'à 106 000, les gars. Il va falloir qu'on se refasse, hein. Bon, les gens, ils s'assiedent sur les bancs et tout, ok. Ouais, cette zone-là, elle marche pas de ouf. Ok. Donc il faudrait qu'on décore dans ce coin-là, qu'on relie cette attraction aussi. Alors c'est quoi cette attraction? Gears of Fear. Attendez, on va essayer de trouver un petit peu. Hop là. On va essayer de trouver dans le Chan Planet Coaster si on a le truc de l'attraction. Alors. Ah oui, on l'a. Alors, oula. Je comprends pas trop. Alors attendez. 1, 2, 3, 4, 5. On vire celui-là. Non, c'est pas possible. C'est 14. Je comprends pas. Bon, attendez. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, c'est 13 et 9. Attendez. Alors, 13. Ouais, c'est ça. Ok. Fois 5. Alors. Tonneau retourné. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Pose au sommet. Ok, donc une fois. Tonneau retourné. Pose au sommet. Donc une, deux.
peut nous retourner. Pose au sommet. Donc 3. Tonneau retourné. Pose au sommet. 1, 2, 3, 4. Tonneau retourné. J'ai l'air bien à faire ça, les gars. Et pose au sommet. Et normalement, on en a 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, c'est bon. Ensuite, niveau prix, ils disent qu'il faut le mettre à combien ? Faut le mettre à 15,50. Ok. Ok. Relier l'entrée. L'entrée, elle est où ? Elle est là. On perd de la thune. Ok, là, faut qu'on relie la sortie. Hop, allez. Merde, j'ai mis le même truc. Je voulais mettre le truc en pierre. Je fais des bêtises, les gars. Non, c'est pas grave. On verra ça plus tard. Alors, on va la tester. Et on va mettre de la déco, hein. Déjà, faut qu'on mette de la lumière. J'ai fait nimp, les gars. Ok, ça c'est bon. Ensuite, des trucs de caméra. Là, hop. Ensuite, il nous faut des bancs. Voilà, et il nous faut des poubs. La poubelle. Important les poubelles, les gars. Ok. Bon, faut qu'on décore la file d'attente qui est ici. On perd de sous à vue d'œil. Il faut absolument que je fasse les zones. On finit ça, la déco de ce coin-là et tout, si on a assez de thunes pour le faire. Et on fait les zones pour attribuer en fait des zones de travail aux employés. Ce sera beaucoup plus facile à gérer. Ouais, hop.
Ok, et je crois qu'on n'a plus rien de... comment? De panier? Du coup, on met quelques roches. Oh, elle est gigantesque celle-là. Ok, c'est bon. Ok. Mais arrêtez! Pourquoi vous démissionnez tous? Oh, c'est un enfer, ces employés là. Ils démissionnent tous, les gars. Faut absolument que je leur attribue des zones, hein. Bon, niveau déco. Ok. Il y avait des bananiers en fait. Ok. De dynamite. Okay. Hop. Salut Ange, comment tu vas? Là. Ouais, ça va, tranquille. Hop, un petit coffre au trésor quand même. Là, on a des cow-boys. J'aimais tellement ce jeu plus jeune. Il est sorti il n'y a pas longtemps, Ange, hein. Il est sorti en 2018, je crois. Quand je voyais Squeezie jouer. Ah, je pense qu'il y a joué à la première version. Genre, c'était Coaster Tycoon, un truc comme ça, je crois. Il est trop bien ce jeu. Moi, j'aime trop. Alors. Je suis en train de perdre de la thune à vue d'œil, les gars, c'est catastrophique. Faut vraiment qu'on règle ça au plus vite. Très probable parce que c'était il y a beaucoup de temps. Ouais, voilà. Ah, du coup, ouais, pour le coup, je pense que à mon avis, c'était sur Coaster Tycoon. Hop.
Arrêtez de tous démissionner! Ils sont vraiment tous en train de démissionner. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais devenir? C'est catastrophique. Je vais plus avoir de vendeur dans mon parc, les gars. Je comprends pas pourquoi ils démissionnent. C'est catastrophique. Hein. Personne ne veut de ton attraction, elle fait trop peur. Si seulement. Oh là là, on perd de la thune à vue d'œil. Est-ce qu'on est assez niveau. Attendez. Ouais, ok, on l'ouvre. Hop, hop. Bon, faut que je fasse un truc là. Hein. Oui, plusieurs boutiques n'ont pas de vendeurs. Ok, alors. Il va falloir qu'on fasse des zones pour les employés. Gestion du parc. Employés. Ils ont tous des charges de travail basses alors qu'ils sont censés bosser de ouf, là. Ok. Ajouter une affectation. Là. Bah non, ça sert à rien, c'est un vendeur. Attendez. Je vais essayer de bien me mettre. Là. Non, ça va pas. Là. Entrée de parc. On va l'appeler comme ça. Sauvegarder l'affectation. Alors, ça contient 5 attractions, 8 boutiques, 9 autres. Stop, je mets pause. Nouvelle affectation. Bon, je vais faire mon histoire. On peut enlever des trucs, mais on peut pas les rajouter. C'est de la merde. Ça m'énerve. Il peut pas sélectionner un par un, non. Ok, ça me va encore. On va appeler ça Pirate 1. Voilà, alors, employé. Toi. Tu vas dans Pirate 1. Toi, Pirate 1. Toi. Pirate 1. Toi, Pirate 1. Ouais, pirate 1. À tout, Ange. Merci. Bon l'arc. Alors, on a quoi? On a un mec qui fait le ménage, on n'en prend qu'un. Je suis là, pirate 1. Ok, on a déjà un mec qui fait l'entretien. Toi, pirate 1.
Je me tâte à en licencier certains. Hein. Se tournent les pouces. Peut pas la licencier, elle? Non, on peut pas. Ok. Ensuite, faut qu'on rembauche des serveurs. Plein de serveurs. Alors là, on a besoin de un serveur là. Donc 2, 3, 4. Je pense que 4, ça peut suffire. Hop, gestion du parc, employé. Entrée de parc, entrée de parc, entrée de parc, entrée de parc. Il m'en faut encore d'autres. Il m'en faut genre un ou deux de plus pour les pauses. Je sais pas comment ça marche du coup si, si on les met dans une zone, est-ce que du coup ils auront le comment ça là, le truc des employés. Comment ça se passe? Du coup, tous ceux qui sont en libre, faut qu'ils passent en hop, entrée de parc. Celui-là. Ah non, du coup, faut qu'on fasse autrement. Faut que je rajoute une affectation. Et vas-y, ça passe. Farm, je vais l'appeler comme ça. Ok, c'est bon. Alors, tout le personnel. Salut Nevara! Alors, ça coule. Oui, ça coule sévère là. On était à 200 000 quasiment et là, il y a tout le monde qui démissionne, tout le monde qui se casse. Enfin, c'est horrible. Lui là, faut qu'il aille à Farm. Lui, c'est quoi? Entrée de parc. C'est un nouveau quoi? Salut Kalino. Entrée de parc. C'est quoi ça? Farm. Hop. Entrée de parc. Allez, tu vas dans Pirate, toi. C'est un parc différent d'hier. Ah non, 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 c'est le même! C'est le même, c'est le même! On avait fait v'là la thune et là on perd tout! C'est catastrophique, pourquoi? Les passes prioritaires, c'est pour les pigeons, on les a pas activés! Si, on les a activés, je sais plus! Engager des vendeurs, mais quoi? Mais il y en a pas assez! Oh, c'est catastrophique! Pitié, sortez-moi de là! Ça allait bien, hein, jusqu'à ce qu'on fasse la zone Sea of Seas. Ça va et toi, Kalino? Tout est rouge, mais oui, mais j'ai fait n'importe quoi! Je m'en sors plus! Attendez, coût des boutiques et des services, c'est catastrophique là, ok. Coût de fonctionnement des restaurants, bah super, je vais supprimer les restaurants. Salaire des employés, ben oui, mais ils démissionnent tous! Coût d'entretien. Oh. Bénéfice, ça compte. Ah, je vais mettre pouce. Pouce. Je vais chialer. Ok, trésorerie, pourquoi on est dans le négatif? Qu'est-ce qui se passe? C'est la faillite. Non, c'est pas la faillite. Attendez, je récupère ça.
T'as l'air bien là. Mais oui, je sais, je sais, je sais. Ça fonctionnait bien, hein? Jusqu'à ce qu'on fasse ces attractions là. Là, ça fonctionne plus, pourquoi? Ah, oh, pourtant ça partait bien. Regardez là, la file d'attente, elle est correcte. En vrai, peut-être un peu longue. Qu'est-ce qui va pas? Bon, écoutez, on va faire du un par un. On va voir ce qui va pas. On va supprimer ce qui donne pas de thune ni rien. Ça va plus. Toi, pourquoi t'as pas de vendeur là? Ça va pas. Gestion du parc. Employé. Toi, tu te mets là. Ici, tu travailleras là. Là, il y en a deux qui vont travailler. Non, toi, tu te barres. Donc, j'en rajoute un. Ici, il y a deux vendeurs. Et là, c'est que de la déco. Merci, Neve. Alors, attendez. Le kiosque d'information, qu'est-ce qui va pas? Vendeur en route, ok. Mais faut qu'on active les places prioritaires, en fait. Faut qu'on fasse ça. Passe prioritaire, je mets ça à 10 balles, je sais pas si c'est correct, passe prioritaire. Attendez, je crois que j'ai pas d'infos là-dessus. J'ai pas d'infos sur les passes prioritaires. Quelqu'un sait combien faut mettre les passes prioritaires par hasard? Parce que là, je m'en sors pas là. Bon, je vais essayer ça à 10, hein. Qu'est-ce que ça? Ça nous rapporte pas? Salut Racingan! Non mais je vous jure, là je suis en train de faire une faillite, là, ça va pas! Regardez, bénéfice, mais qu'est-ce qui se passe? Pourtant j'ai mis les bons prix! Attendez, on va mettre un peu partout, parce qu'apparemment il faut mettre a lot, donc un peu, et pas beaucoup, beaucoup. Je suis au bout de ma vie. Hein. Bénéfice depuis l'ouverture, moins 29 000. Mais je vais les supprimer, ces boutiques, en fait. C'est quoi ce jeu? C'est un jeu où tu crées ton parc d'attractions Kalino. Et en fait, tu dois gérer aussi. En fait, tu commences avec 4 000 $. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une zone de farm avec des attractions qui marchent super bien. Pour farmer à donf, on est arrivé à 200 000 dollars. Et après, on a commencé notre déco et tout. Et en fait, genre, tout allait bien avec l'entrée du parc et tout, au niveau de la déco, tout ça, tout ça, tout ça. On a commencé la zone Sea of Seas. Et là, ça part en faillite totale. Je sais pas pourquoi. J'essaye de comprendre. C'est une catastrophe. Donc ça, en gros, on vend à perte depuis le début. Je comprends pas pourquoi. Ça. J'ai envie de m'amuser, pas de faire des emplettes. Cette boutique a l'air pleine, je vais aller ailleurs. Ben non, elle est vide. Alors d'après un forum, pour les passes prio, il faut mettre un coup de fil sur la queue. Tu as mis ou pas? Non, pas encore, je vais le mettre. Du coup, parce que là on est en pause, donc tout va bien. Donc il va falloir que je le mette. Mais le problème, c'est que comment... En fait, on perd quand même de la thune. Et je sais pas combien de prix je dois mettre pour le passe prio. C'est compliqué. Et là, c'est pareil, on fait pas de bénéfice, là. Si on fait des bénéfices sur ça, ok. Vente ratée du mois précédent. Pourquoi on a raté des ventes? Qu'est-ce qui se passe? Ok, bon, ça, on fait des bénéfices. Tout va bien, ça. Pipshot Water. Apparemment, on fait pas trop de bénéfices. Rien de tel qu'une boisson fraîche. Bah si, bénéfice du mois précédent. Mais comment ça? Attendez, un peu. Un peu. Un peu. Un peu. Pourtant, j'ai quasiment toutes les solutions, hein. On les a partagées sur le Discord. Mais je m'en sors pas du tout. Ok, on va laisser ça comme ça pour l'instant. Ça.
Gulpi, soldat, soldat, soda. Pourquoi on est à moins 300? Peut-être je suis trop généreux sur les doses, hein, les gars. Hein. C'est peut-être juste ça, hein, à l'occasion. Hein. On va voir. Parce que j'ai mis tous les prix qu'on est censé mettre. Salut, Jack! Merci pour le raid. Bienvenue à tous. Bienvenue aux Raiders. Salut Tikan! Oh les gars, vous arrivez au pire moment, genre, on est en train de jouer à Planet Coaster et je suis en train de faire faillite, ça va plus. Regardez, la bénéfice depuis l'ouverture, moins 15 000, c'est pas possible! Tout est sous contrôle, on essaye, hein! On essaye, coucou Ariel, coucou Jack! Comment vous allez du coup? N'hésitez pas à aller voir ceux qui connaissent pas Jack, elle joue à plein de jeux différents, elle est trop chill comme meuf, donc n'hésitez pas à aller follow. Tu m'as promis que c'était pas la faillite. J'essaye, Ange! J'essaye! Oh, c'est une catastrophe! Je comprends pas ce qui va pas! J'ai mis tous les trucs qu'ils conseillent! C'est normal que la catégorie soit en just chatting. Ah non, c'est pas normal! Est-ce qu'il y a un des modos qui pourrait changer ça, s'il vous plaît? L'hôtel. L'hôtel, je suis sûre, on fait des... Ça va pas. Ah si, on fait des bénéfices. Vite, faut faire Mother Lode. Ça marche pas! Ça marche pas sur Planet Coaster! N'a pas de chambre supérieure. Si, il y a des chambres supérieures! Arrête de râler, toi! Aurait bien besoin d'un bon coup de nettoyage. Oh merde, il nous faut d'autres employés de ménage, je pense. Moi, j'ai mis tout ça. Bon, de toute façon, en positif. Je trouve pas le prix à mettre, il met genre 15 en vrai, il met genre 15 en vrai et après tu vois les avis et tu baisses. Ouais, c'est ce que je vais faire, Neve. Je te jure, c'est une plaie, hein. Attendez. Passe prioritaire. Hop, on met à 15. J'en chiale tellement je comprends rien. Ça va plus du tout, hein. Là, on a des toilettes. Bon, j'avoue que les toilettes, elles font peur, là. Attendez. J'avoue qu'on n'a pas mis trop de lumière de ce côté-là. Attendez, attendez. On va rectifier ça tout de suite. Mais c'est pas ce côté-là qui fait faillite, normalement, donc je comprends pas. C'est le côté le moins décoré qui fait pas faillite. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Il n'y a pas trop de poubelles. Attendez. Après, j'en ai peut-être beaucoup à certains endroits. Je sais pas, en fait. Là, il n'y a personne ici, là. Pourquoi il n'y a personne? Mais là aussi, il n'y a personne. Mais en même temps, si les employés n'arrêtaient pas tous de démissionner, là, qu'est-ce qu'on va faire d'eux, là? Les employés, ils démissionnent tous, alors que je fais mon maximum pour qu'ils soient yimbes. Oh là là, il y a zéro employé nulle part, en fait. Mais c'est pour ça qu'on fait faillite, les gars. Cherchez pas, hein. C'est la gestion des employés qui est à revoir, je crois, hein. Sur Planet Zoo, quand j'avais des soucis de thunes, j'augmentais tous les prix. Ouais, mais là, c'est pas ça. Parce qu'en fait, sur Planet Coaster, le truc, c'est que si t'augmentes plus les prix, bah, tu perds de la thune. Parce... Enfin, si t'augmentes trop les prix. Parce qu'en fait, les gens, ils disent, ouais, mais attends, mais c'est cher et tout. Et du coup, ils y vont pas. Ça va plus. Attendez. Hop, on met des bancs un petit peu partout. On va remettre de la déco, mais je vais perdre de la thune à vue d'œil, quoi. Il faut qu'on remette des employés absolument. Hein. Allez, comme ça, vous pouvez poser vos fiacs. Là, par contre, il y a moyen de mettre une attraction, un truc en plus. Hein. Je fais une bêtise. Bah, Nev, go lancer le jeu. Hein. Faut mettre des poubelles. Oui, je vais mettre des poubelles. Parce que là, il n'y a pas de poubelle, là. C'est catastrophique. Elle est où, la poubelle, là? Voilà. Copier. Ah oui, mais celles-là, elles sont moches. Mais attends, mais... C'est pas les bons bancs! Ah, mais elle est dégueulasse! Oh là 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 là. C'est ces poubelles-là, moi, que je veux mettre partout. Attendez. Une addiction, en plus. Eh oui, Neve.
Hop. On met des poubelles partout. Là, il n'y a pas assez de poubelles. On en met. Des poubelles, en veux-tu, en voilà. Une poubelle qui se fait juger, on aura tout vu. Ben oui, moi je veux les poubelles comme ça pour l'entrée du parc. Je veux pas les poubelles western. Oh là 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 là, je vous jure, attendez, on met une poubelle là, voilà, ils seront contents. Là, il y a quoi là? Là, c'est une sortie d'attraction. Je vais cuisiner MDR, je laisse mon verre, ça marche, merci Neve. Bon appât à toi du coup et bon courage pour la cuisine. Attendez, hop, là, voilà. Ça va plus du tout cette histoire. On n'a pas mis de caméra de surveillance non plus. Il y en a d'un côté, mais pas de l'autre en fait. Si les gens ils sont volés, ils font comment? Ils peuvent pas aller se plaindre. Alors, là, on met une caméra de surveillance. Hop. Là aussi, puisqu'il y a des voleurs qui arrivent. Hop. Je suis voleur, là. Ils nous font dépenser des thunes. Hop. Comme ça, on filmera les actes de vandalisme. En plus, elles sont moches, les caméras de surveillance. Mais on n'a pas le choix. Hein. C'est soit ça, soit on est foutu. Allo, Kat, c'est pas du tout ça. Bon, du coup, faut qu'on embauche à balle d'employés, en fait. Toi, tu vas travailler là. Il a un nom, le parc. Ouais, bah, c'est Idiotopia. Toi, tu travailles là. Toi, tu travailles là. Ouais, c'est bon. Ok, bon, ici, normalement, dans cette zone, ils nous feront pas chier. Tout va bien. Ah là là. Heliotopia. Yo, recherche quiconque veut bien bosser dans son parc. Mais c'est clair, mais ils se plaignent tous, là. C'est catastrophique. Là, qu'est-ce qui va pas? Là, il y a un employé ou pas, là? Il est où, l'employé? Il est là, il est derrière, ok. C'est vraiment des... Hein? Faut bosser dans la vie aussi, là, hein? Tout travail mérite salaire, hein? Je vous donne pas les salaires pour vous tourner les pouces? Qu'est-ce qui se passe par ici? Il y a quoi? Là, il y a un employé, ok. Ça, c'est une attraction. C'est celle qu'on vient d'ouvrir. Là, pourquoi il n'y a pas d'employé, là? Hein? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Là, toi, tu vas travailler. Oh, je vais devenir désagréable avec mes employés, ils vont pas comprendre. À la place de dire toutes les 5 minutes, je pense que je vais démissionner, là, hein? Moi, je leur fais des formations, je leur augmente leur salaire, et ils sont pas contents. Je vais devenir aigrie. Je suis déjà aigrie, en fait. Mais d'où il n'y a pas d'employé, là? Lecture. Ça remonte ou pas?
c'est pas le moment d'être en panne. Aucun mécanicien n'est disponible. Là, hop, va travailler. Oh, on continue à perdre de l'argent. Attendez, j'ai un souci de toilette là. Les toilettes, elles sont pas dispo. Je crois que j'ai pas la place, là c'est la limite du terrain, non? Oh non. On est en train de faire faillite, les gars, c'est foutu. Ah non, je peux pas. Mais je peux pas modifier ça pour virer les WC10. Attendez. Modifier le bâtiment. Là. Du coup, ça fait bien con, là. C'est bon. Ok. Du coup, pourquoi on perd de la thune là? Je comprends pas. J'ai besoin d'aller aux toilettes. Mais il y a des chiottes partout, frère. Non? Il manque des toilettes dans le coin, là? Comment ça, il n'y a pas de toilettes? En fait, j'ai pas mis assez de toilettes ici. Si on peut mettre des toilettes. Voilà. Modifier le bâtiment. Donc pour l'instant, ça restera comme ça. Là, il y a des toilettes dans la zone. Hein. Tu fais pas chier, t'y vas et puis voilà. Hein. Bon, alors, qu'est-ce qui... Pourquoi il râle encore? Salut Nono, comment tu vas? Un peu, ok. Finance. Ok, ça c'est le bâtiment des employés. J'ai rien à dire dessus. Ça va, jusqu'à certaines daronnes au collège, je vais les manger. Pourquoi, Nono? Tu vas carrément les manger. Point d'information. Qu'est-ce qui va pas avec le point d'information? Employé. Marie Nolan. Employé. Vendeur en route. Déborah. Et qu'est-ce... Les trucs prioritaires, c'est pour les pigeons. Oui, bah, 2 secondes. C'est vrai qu'on n'a pas mis ça. Mais il y a des toilettes juste là, en fait. J'en ai mis là, mais il y en a là. Ah, plus du tout, ouais.
Là, qu'est-ce qui va pas? Cette boutique a l'air pleine, je vais aller ailleurs. J'ai envie de m'amuser, pas de faire des emplettes. Oh, mais faut savoir, hein! Vous râlez et tout, là! Hop, allez! Yeah! Oh, je vous jure. Mais celui-là, il est blindé, là, comme parc d'attractions. Qu'est-ce qui se passe, enfin? Ok, on en a pour son argent. Bah, écoute, t'en as pour ton argent? Tiens, on va voir si t'en as toujours pour ton argent. Cause d'elle, on est un emploi du temps de... On a un emploi du temps du dé, il y a des problèmes partout avec ça. Il y a même le prof qui se retrouve avec deux classes en même temps, même des... Oula, trop bizarre. Il y a des panneaux pour indiquer les toilettes et tout. Mais je sais pas s'il y a besoin de ça, hein. Pourrait être... Peut-être juste qu'ils ne savent pas où c'est. Vous imaginez si c'est ça? Oh non, l'enfer. Faut que je les aiguille en plus là-dessus. Attendez. Là. Qu'est-ce qu'ils disent là-dessus? La file d'attente est passée comme une lettre à la poste. Bah oui, forcément, il n'y a personne. Bénéfice du mois précédent. Et... Si on perd 2 euros, ça va pas le faire. Vive la maternelle. Tout ça parce que mesdames n'aiment pas l'emploi du temps de leur gamine. Ah, de leur gamin. C'est vraiment juste pour ça, nounou? Quel enfer. Bénéfice, mais c'est pas possible. C'est hors de question qu'on fasse de la perte là. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? J'ai envie de m'amuser, pas de faire des emplettes. Je vais finir par les virer, ces boutiques, hein. Pourquoi tu vends à perte, toi? Enfin... Non, j'ai eu la suite de Demon Slayer en manga, le 3, 4 et 5. Et on est des poules, quoi. Mais trop bien, Nono. Genre, les darons, ils ont bien voulu t'acheter la suite. Bah, faute de l'école, MDR. De où l'école a pas d'autorité comme ça. Non, mais enfin, ce collège, c'est une grosse merde, hein. On a des poules. Ah, vous avez des poules. Trop bien. Non, c'est pas bien. Mais oui, ce collège, c'est de la merde. Dès qu'il y a un parent qui râle, ils sont en mode... Oui, le parent. Genre... Peut pas satisfaire tout le monde au collège, hein. Ok, bon, ça, un peu, du coup. Les toilettes, bah les toilettes, je suis sûre, il n'y a personne qui les utilise. Voilà, bénéfice du mois précédent, moins 100, je vais les virer, hein, ces toilettes, hein. Je comprends pas, je comprends pas, je comprends pas, les gars. Là, on a quoi ici? Tu fais du bénéfice? Cette boutique a l'air pleine, je vais aller ailleurs, j'ai besoin d'aller aux toilettes. Eh frère, ça va, il y a des chiottes partout là. Ça, c'est quoi? Pourquoi là, il n'y a pas d'employé là? On n'a pas mis les extras, on n'a pas mis les extras, mon Dieu, quelle horreur. Attendez. Un peu. Un peu. Un poco. Hop. Hop. Je te regarde en même temps de faire mes devoirs, MDR. Concentre-toi sur tes devoirs, Nono. J'espère que les fiches de révision, elles sont à jour. Hop. Ok, c'est easy. Oui. J'attends de voir, moi. J'attends de voir. Alors, attendez. Non, mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? Un poco, un poco, un poco. Là. Un poco, un poco, un poco, un poco et un poco. Utilisez les mêmes prix. Hop. Finance. Moins 8 000, mais en fait, faut que je vire tous ces trucs-là, en fait. Ils sont jamais contents, les clients. Tiens, toi, tu vas travailler là. Alors, Là, c'est bon, l'attraction, du coup.
État de la traction en panne. Mécanicien en route. Ok, on en a pour son argent. Bouge pas, j'augmente. Allez, 20 dollars. Ok, 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 ok. Donc, il nous reste deux attractions, trois attractions à lier en plus. On a celle-là, celle-là et celle-là. C'est un enfer. Hein. Je peux même pas continuer la déco des zones parce qu'en fait, je perds trop de thunes pour ça. Est-ce qu'il faudrait pas que je relie ces attractions? Ce serait bien quand même, les gars, non? On va essayer de relier ces attractions. Placer l'entrée. Ici. Placer la sortie. Ici. Alors, comment on fait déjà? Je sais plus. Non, c'est pas ça. Ok, c'est ça. Ensuite, allez. Moulfrite au collège ce midi. Oh, grave bon. Mais oui, mais il est 19h en fait. Je viens de capter quelle heure il était là. Ok. L'attraction, elle est reliée. Faut vraiment qu'on fasse les passes prioritaires. C'est quoi? C'est The Madness. Alors, The Madness, il faut mettre quoi? J'ai pas The Madness. Mais écoute, on va l'ouvrir comme ça. Hein. Entretien toutes les 10 minutes. Là, c'est l'entrée des passes. Alors, comment on fait? Ok. Yeah. Là, c'est la sortie des passes. Ah oui, c'est l'heure de grande dette. Déjà, pub, c'est bon. Alors, attendez.
Là, placer la sortie des passes. Est-ce qu'on peut la mettre? Je comprends pas où faut la mettre. Bah ouais, plutôt on joue mieux pour moi. Bah à 20h on lance Grand Dead si tu veux, Lydia. Je comprends pas, je peux pas la mettre là? Ça fait un truc trop bizarre dans mon sol. Pourquoi je peux pas mettre la sortie là? Je comprends pas. De l'aide. Passez des allées pour que vos visiteurs puissent se rendre à l'allée du parc et aux attractions boutiques. Wow, pourquoi je peux pas? Là, je devrais pouvoir quand même. Je comprends pas, les gars. Placer la sortie des passes. Ben ouais, mais là, si on a une entrée de passe. La file d'attente ne serait pas valide. Ok, et pourquoi tu veux pas me la mettre là? Je comprends pas. Je vais aller voir sur une autre attraction. Genre celle-là. Comment ça se passerait? Genre admettons. Passe prioritaire, on pourrait la mettre dans le coin là. Attendez. Activer les passes prioritaires. Placer l'entrée des passes. Donc là, admettons, on met une entrée. La sortie des passes. La sortie des passes, faudrait qu'elle soit là. Mais pourquoi ça veut pas? Et là, on pourrait... Faut absolument qu'on mette ça dans la file d'attente de base en fait. C'est bizarre, non? Que là ça veut dire qu'il faut que je repense toutes mes files d'attente en fait. Je comprends pas.
Bon, admettons que je mets la sortie là. Alors, attendez. J'essaie de comprendre, hein. Relier la file d'attente des passes. Donc, admettons. La file d'attente ne serait pas valide. Mais je comprends rien, les gars, hein. Mais explique-moi pourquoi elle serait pas valide en fait. Je comprends pas où on doit les relier. Je vais faire une recherche internet, une partie. Parce que là, je vois pas, hein. J'ai un peu de mal à piger comment placer passe prioritaire. Ok. Tu fais un peu ce que tu veux, le tout c'est de prévoir assez de place pour mettre le passe. Tu dois placer l'entrée à la sortie de... et la sortie des passes prioritaires sur ta file d'attente d'entrée de l'attraction. Pour prévoir de la place quand tu construis tes attractions au début du jeu, sinon tu galères un peu après. Alors, attendez, si je comprends bien, en fait, c'est juste des coupes-fils, mais du coup, c'est complètement stupide. Attendez. Genre, par exemple, là, ici,
Faudrait que je le fasse revenir ici, quoi. C'est ça que j'ai compris. Alors, attendez. Oula. Petit bug, je crois. Non! Mais là, ça marche! Mais. Genre, si je déplace celui-là ici. Ben non, ça marche pas. Je comprends rien, les gars. Attendez, je crois que j'ai compris. Ok, c'est bon. Là, c'est l'entrée des passes. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi on est obligé de mettre une sortie de passe. Je vais la mettre là, on s'en fout. Et l'entrée, je veux la mettre là. Je peux pas? C'est une blague. Pour les relier entre eux. Mais oui, c'est ça en fait, faut les relier entre eux. Attendez, je crois que j'ai compris. L'entrée des pages, genre, on met ça là. Hop. La sortie des pages, j'ai mis ça là. Ok. Relier la file d'attente des passes. Est-ce que c'est ça? Dites-moi que c'est ça. Je vous jure, là, je. Hein? Ça a l'air d'être ça, les gars. Oui, c'est ça! Let's go! Fallait comprendre, hein? Ok. Enfin, je sais pas, peut-être que je suis un peu neuneu et que j'ai pas compris, que vous aviez compris, mais moi, j'avais pas compris. Hein. Ok! Donc, en fait, les deux, faut les relier. Très bien. Je comprenais pas pourquoi il y avait une sortie. C'était chelou, un peu. Ok! Donc là, est-ce que, genre, la file d'attente dépasse, il faut faire quelque chose en plus? Je sais pas, on est comment au niveau, niveau déco, on est bon aussi. J'ai l'impression que c'est ça, hein. Oh là là. Donc ça. Si je comprends bien. Attendez. Placer l'entrée des passes. Il faudrait que ce soit genre là. Hop. Placer la sortie des passes. Là.
Ok, c'est bon là. En gros, il crame toute cette file d'attente, quoi. C'est ça que je comprends, moi. Ok, donc si on a fait ça. Terrain. Lycée. Là, il y a un business là. Je peux pas glisser là. Ah! On va cacher avec de la déco, les gars. Alors, attendez. Donc, j'ai fait ça. Bah, va falloir qu'on mette le truc des passes prioritaires partout, là. Comment je vais faire ça? C'est merdique de ouf, en fait! Par exemple, je déplace ça. Je vais le mettre là. Hop. Là. Ici. Activer les passes prioritaires. Placer l'entrée des passes. On met ça là. Placer la sortie des passes. On met ça là. Relier la file d'attente des passes. Là. Ok, c'est bon. Celui-là, c'est bon. Ensuite, celui-là. Je fais des files d'attente beaucoup trop longues. Activer les passes prioritaires. L'entrée des passes. Ici. Sortie des passes. Ici. Coucou Lily, ça fait longtemps, comment tu vas? Ok, c'est bon. Donc, passe prioritaire, c'est mis. Ensuite, ici. Comment on va faire? En vrai, je pourrais faire passer... Alors, attendez. Je déplace ça, je vais me supprimer. L'entrée des passes est là, c'est bon. Et la sortie des passes, elle va être là. Demain, je vais faire un essai au yoga. Oh, tu vas voir, c'est trop bien. Voilà. C'est bon, c'est mis ici aussi. Ensuite, ici, ben, on va être obligé de faire un cercle. Hein. Alors, attendez.
Activer les passes prioritaires. Là, c'est l'entrée des passes. Ok. La sortie des passes, elle va être là. Ça fait un moment que je suis pas venue. Mais oui, de ouf, Lily. Bon, alors, quoi de neuf? Le taf, tout ça, c'est toujours la merde, ou ça va? Ok. Donc là, c'est pareil, c'est bon, on a mis le passe prioritaire. Bon, on a mis sur les quatre attractions qui étaient là. Le passe prioritaire, il est mis là. Il est mis là. Faut qu'on le mette ici. Et bah, je pense qu'on va déplacer ça. Ok. Ça, faut que je le déplace. Ou alors, attendez. Toujours pas terrible vu que j'ai deux boulots là. Je vais un mois dans celui que j'aime. Ah bon, bah ça va. Ok. Il faudrait que la file d'attente elle arrive là. Je fais ça là pour l'instant. La sortie des passes, c'est bon, c'est mis. Ça, faut que je le décale. Je pourrais le mettre là. Hop. Et ce petit palmier, on va le mettre ici. Alors, est-ce que là, j'ai la place pour caler le passe? J'ai un gros doute. Je vais décaler ça aussi. Alors, hop. Relier la file d'attente des passes. Obstruction. Qu'est-ce qui bloque là? Plus cool, 7h30, 14h30, ce vendredi, 7h30, 13h30. Oh, ça va, ouais, en vrai, tu travailles que le matin et t'es tranquille, quoi. Attendez. Ce qui bloque, en fait, c'est la largeur, là.
Là. Et là, ça bloque. Là où j'aime pas, 8h45, 16h45, ce vendredi. Ah oui, j'avoue que horaire bien merdique à ce moment-là. Voilà! C'est bon, j'ai réussi à le mettre. La file d'attente, elle est comment? Elle est toujours bien ou pas? Ouais, 100%, ok, c'est bon. Autre attraction. On a celle-ci. Alors. Activer les passes prioritaires. Placer l'entrée des passes. En vrai, je pense que je vais la mettre. Je vais pas m'emmerder, je vais la mettre là, parce que là, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Hop, et ça, on va le déplacer. On le met là. Ok, c'est bon. Il nous reste 7 attractions. Bah, en fait, on a un truc pile bien. Faut juste que je décale ce caillou. On va mettre là. Hop, activer les passes prioritaires, placer l'entrée des passes ici, placer la sortie ici. Ok, c'est bon. Ok. Donc, maintenant, il faut qu'on décore la file d'attente de celle-ci. Pour la mettre en route. Bah déjà, on va faire un truc. Hop. Je vous jure, c'est une galère ce jeu. Hein. La déco, c'est cool, mais la gestion, c'est chiant. Salut Audrey, ça va et toi? Je perds de la thune à vue d'œil. Ok. Merde, je voulais pas le déplacer, je voulais le là, le copier. Des poubelles! Copier.
Voilà. Bon, bah, j'ai plus de hype, je peux mourir en paix. Comment ça, t'as plus de hype, Ilexia? World Legacy avec Harry Potter serait un jeu solo et pas multi. Ah! Genre vraiment ça te hype plus quoi. Rien en ce moment, c'est quoi ça? Allez, fuck. Oh, je vais dans ma grotte. Il existe salé. Oula, ça, c'est un gros caillou, je reconnais. Je comprends que tu sois déçu, Lydia. On est comment là? 48%. Quelle galère ce jeu, quelle galère! J'étais pourtant sûre de le maîtriser, hein, les gars! Genre, j'étais en mode, ouais, tranquille, je sais qu'il faut faire ci, ça, ça. Ben non, mes salariés, ils ont tous décidé de démissionner en même temps. Et du coup, ça fout mon parc dans la merde et je fais n'importe quoi. Ça va plus du tout, cette histoire. Que vais-je devenir? Pas de place pour mettre d'autres trucs. Si je peux le mettre là. L'impression qu'il est en suspension là. Ah non. Faut juste le changer. Allez, on va s'en sortir. Bah j'y crois hein, les gars, j'y crois. Pas trop en fait. Oh là 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 là. On a plus de sous, on a plus rien. On n'a plus rien. On est fauché. Bon, on a farmé comme des malades, hein. Oh. Hop. J'ai un œil qui pleure, ça veut tout dire, ça.
J'ai vraiment envie d'être dans le parc là. Mais il est génial notre parc, je comprends pas pourquoi on fait faillite, hein. Vraiment, hein. Je trouve ça honteux. J'ai de mon pendant 5 ans. Attendez, on a des pirates. Toi. Pose ton fiac. Quoi? Tu poses ton fiac. Ok. Ils ont quand même des barres de fer qui leur sortent du popotin. Toi, tu tires. Toi aussi. Hop. Hop. La file d'attente, elle est comment? Ok, 100%, c'est bon. On la teste. Bon, on met lecture, les gars. Ça remonte, ça remonte. Yeah. Ok, ça remonte. Est-ce qu'on va réussir à sortir de cette faillite là? Afficher le vandalisme. Votre poubelle! Ok, ça remonte, ça remonte, ça remonte. Ça remonte, tout va bien! Ça se lag! Ça remonte, ça remonte! Bon alors, est-ce que les gens ils kiffent cette attraction? On l'a pour son argent! Ok, elle bouge pas! 15 dollars! Engager des vendeurs, comment ça? Ah non, hein! Accéder à l'employé! Rembaucher! Comment ça, il y a des boutiques qui ont toujours pas de vendeurs. Qu'est-ce que c'est que ce beans? Allez travailler! Les vendeurs, ils sont comment employés? Élevé, bah toi, il n'y a pas de souci, hop. Voilà. Toi, pourquoi t'es pas content? Les bénéfices, on est à moins 4 000. Tiens, formation pour toi. Ok, en fait, quand ils sont pas contents, faut aussi les former. Eh ben, on les forme. T'es pas content? Tiens, on te forme, toi aussi, allez. T'es pas content, on te forme. Comment ça? Nos boutiques, elles pratiquent des prix trop élevés.
Ils vont me coûter cher tous ces employés là, à force. On repère de la thune. Non, c'est parce que j'ai fait plein de formations, je pense. Tout se passe plutôt bien. Je commence à fatiguer. J'ai du mal à croire que je gagne autant. Ah, en plus. Super. Alors, qu'est-ce qu'ils en pensent? Pas question de faire la queue aussi longtemps. Bah t'as qu'à prendre un coup de fil! Pas question de faire la... Vous me saoulez. Je vais faire un tour, pas question de faire la queue aussi longtemps. Mais... Là, il n'y a personne qui veut de cette attraction. C'est catastrophique. Attendez, quoi? La reine d'Angleterre vient de décéder? Mais non. Bah, c'était prévisible, hein, mais... Ça veut dire qu'on va avoir un roi, là? La reine Elisabeth II s'est éteinte paisiblement. Est morte après 70 ans de règne. Oh non, RIP! L'âge de 96 ans. Ah bah non, RIP! La fin d'un règne, la reine Elisabeth II s'est éteinte paisiblement dans son château de Balmoral jeudi 8 septembre. A annoncé Buckingham Palace. Plus tôt dans la journée, les médecins de la reine d'Angleterre s'étaient dit préoccupés par l'état de santé de la souveraine âgée de 96 ans. Les quatre enfants de la reine, dont Charles, l'héritier de la couronne, ainsi que ses sept petits-enfants William, William et Harry étaient à son chevet. Bah, elle est décédée, les gars. Bon bah RIP hein, Elisabeth. Hein. Reste plus que Michel Drucker. Elle est con, elle. Yoclepus 2 en panne. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient la réparer ou pas? Mécanicien en route. Ok. Roctopus. C'est bon, ça a été réparé. Helio Carousel. Ok. Prestige. On est bien. On perd de la thune, les gars. On perd toujours de la thune. Les finances, comment elles vont? J'ai passé une journée horrible, un pickpocket m'a volé mon argent sans se faire pincer. La sécurité est minable ici, la sécurité de ce parc est efficace, je me suis fait prendre en tentant de faire les poches d'un visiteur. La sécurité de ce parc est formidable, bah faut savoir. Finance, on en est où? Ça a l'air des employés, mais on perd de la thune de ouf. Oh! Merci Rurik pour le raid, bienvenue aux Raiders! Bienvenue tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ah, le saut a été raté, Elixia. N'hésitez pas à aller voir ce que Rory qui fait. Bah ouais, mais en fait, je peux rien faire pour les files d'attente qui sont trop longues ici. C'est bon, la thune remonte, les gars, la thune remonte. Ok. Pour l'instant, tout va bien, non? T'es sous le choc, c'est pour ça? Oula, j'arriverai pas à prononcer. C'est quoi? C'est Kiri, ton pseudo? Kiri Toffer? Bienvenue à tous. Salut Crazy Bunny. Coucou Ruri, comment ça va? Merci pour le raid. Hein. C'est adorable. On a quelqu'un qui vient? Aucun... Mécanicien en route, c'est bon.
J'ai cru que j'allais faire un infarctus là, les gars. J'allais rejoindre Elisabeth II là. Il lui manque un follow pour l'affiliation. En plus, on lui souhaite que du bonheur. Let's go! Allez, allez, follow, les gars! Allez, follow! Salut, je viens pas du raid. Coucou Yoshi, comment tu vas? Un follow! One follow! T'as follow, Dahu, merci Dahu! L'affiliation, les gars! L'affiliation pour Rurik! Bilan du mois, ok. Évaluation. On a perdu 116 points, mais on a gagné 570$. Un voleur coupable de 4 crimes a été appréhendé. Ok, c'est bon. Mais on perd la thune encore. Let's go l'affiliation. Mais oui, l'affiliation. Engager des vendeurs. Encore, il me faut encore un vendeur. C'est une blague. Tiens, va travailler, toi. Mais non, mais te barre pas, va travailler. Mais allez travailler, bordel de merde. Pardon. Je dis des gros mots. Toi, dépêche-toi. Oh là 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 là, les gars. Mais mes employés, ils veulent pas travailler. Mais pourquoi ils veulent pas travailler? Toi, formation. T'es en forme, Elio. Ouais, ouais, ça va. Bah, en fait, saoule le jeu. Saoule, on est en train de perdre la thune parce que les employés, ils vont pas travailler. Ils font nimp. C'est incroyable. Et après, ils démissionnent tous, en plus. On leur paye des formations, on les paye la peau des fesses. Et ils démissionnent tous. C'est honteux. Allez travailler, bordel! Regardez, là, ils sont tous en pause ou trucs comme ça, là, c'est inadmissible. Bon, les animateurs, ils sont bien. Les techniciens de surface, ils sont comment? Et il nous faut un autre technicien de surface, les gars. Mais oui, il nous faut un autre technicien de surface, en fait. Et on perd de la thune, hein. Ça va pas, attendez, technicien de surface, toi, viens là. Hop, hop, va travailler. Technicien de surface, ok, c'est bon. Il se dirige vers les toilettes. Vendeurs. Ils sont tous en pause. En attente de clients servis, en attente. Il nous manque encore des vendeurs. C'est catastrophique ce qui se passe. Toi là. Pourquoi tu vas pas travailler? Ah ok. Courage Elio. Oui, merci Dahu. A tout de suite. Je vous jure, là, je vais faire un infarctus. Je vais rejoindre Elisabeth II, là. Répare. Se dirige vers le bâtiment des employés. Inspecte. Oh non, 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 non. Vous travaillez, c'est bien. Bâtiment des employés. Oh là 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 là. Employé en pause. 6, 5, 7, 2, ok. Donc ils y vont. Donc il nous faut encore des vendeurs. Hop. 1, 2, 3, 4. Là c'est bon, il y a assez de vendeurs quand même. Madness il est en panne. C'est bon, il est plus en panne, rassurez-moi. Non, il a été réparé. Je vais faire un tour, ok. Bonne journée à vous. Et rip l'Angleterre. Bah oui, rip la règle d'Angleterre. Pas de vanne sur Zabed, c'est trop tôt. bon app, Kiri. Bon app et bon courage à toi pour les cours. Salut, Poule Marine, comment tu vas? Bon, la thune, elle stagne autour de 50 000. Les finances, c'est dans le rouge, hein, c'est dans le rouge. Vendre des boutiques, coût des boutiques. Comment ça, on a des boutiques trop élevées? Tif bif. C'est trop élevé. Comment ça, c'est trop élevé? C'est ça à 12$ alors? La 17?
Est-ce que ça vous va? C'est trop élevé là aussi. 8,50, ça vous irait? 8,50. 8,50. Arrêtez de vous plaindre des prix. Hot dog squat trop élevé. Hot dog géant. Je comprends pas, moi je suis les conseils d'internet, hein. Ok. C'est bon. Mais le jeu, il me fait embaucher des employés, alors ok, il n'y a pas besoin. Salut Tetra! Ça va, mais Elisabeth II aurait pu avoir 100 ans. Bah après, elle a vécu très longtemps, les gars. Hein. Elle a vécu très longtemps, faut pas oublier qu'elle a régné 50 ans quand même. Hein. Je pense qu'à mon avis, c'est pas donné à tout le monde hein, de régner autant et de tenir jusque-là. Hein. Mais Sulfux, qu'est-ce que tu fais pas encore coucher, toi? De toute manière, les légendes meurent à 27 ans, pas à 90 balais. Ouais, voilà, c'est ça. sais que j'ai fini Hollow Knight et que je vais faire les DLC. À l'aide, aide-moi. Elle a régné 70 ans, en fait. 70? Ah, oh, je sais pas, c'est marqué 50 partout. Je savais pas que Sulfu était là. Bah, moi non plus, je savais pas. Et que ton PC va crash à chaque fois que tu seras juste avant un checkpoint. Oh, elle est horrible. Je voulais faire la surprise, bah, c'est raté. Comment ça, Just a Momento est vide? Aucun employé, mais comment ça? Mais travailler, bordel, travailler! Je perds de la thune encore. Se promène, des trucs comme ça, au calme. Puis considéré comme neuve. Ok, les coupe-fils, ça a l'air de marcher là. Est-ce que le coupe-fil, on pourrait pas l'augmenter un peu? Oh, on a perdu 4000 balles depuis qu'on a ouvert. Ah, c'est une boutique ça. Ça, le point d'information? Non, c'est pas ça. On n'a pas mis de point d'information ici. Attendez. Qu'est-ce que c'est que ce business encore? Je vous jure, je suis en dépression là, les gars. Ils disent les gens. Mais à 20 dollars. Salaire des vendeurs, ok. Bénéfice du mois précédent, ouais, non, c'est pas suffisant. C'est bon, tous les employés sont contents? Non, pourquoi toi... Ah non, ça va. J'allais dire, pourquoi toi t'es pas content? Basse. Alors, pourquoi t'es en pause? T'es en pause, ok. Se dirige vers le bâtiment des employés, se promène. En pause, sert des clients, ok. En pause, sert des clients, en pause, en attente de clients à servir. On peut pas la virer, elle. Si, on peut. Mais elle est où, en fait? Je suis désolée, mademoiselle, mais tu vas te faire licencier, hein. C'était laquelle? Merde, j'ai oublié. Celle-là? Non, c'était pas celle-là. Mais tu sais quoi, toi? Allez hop, licenciement. Ouais, moi je suis comme ça, moi. Je licencie. En attente de clients à servir. Mais vous voyez, genre, il n'y a pas besoin d'embaucher autant d'employés, là.
Ouais, mais toi, je t'ai augmenté, toi. Tiens, toi, tu dégages. Licenciement. On a tant de clients à servir, mais il y en a plein, là. Toi, tu me coûtes cher, toi. 105 dollars. Allez, hop, tu gères. Salut Vega, comment tu vas? Captain, il vient de lancer Elden Ring. Elle est où la fin du jeu avec un radeau alors? Oula. Ça va, tranquille, Vega. Faut être maso pour jouer à ce truc. Bah, t'as joué à Hollow Knight, toi. Il est où Grounded? On va y aller, on va aller sur Grounded. Je licencie des clients pour l'instant. Toi, il se promène là. Non, mais attendez, ça va, tranquille. Je les paye à se promener. Et après, on me dit gnu, il n'y a pas assez de. D'employés là? Se promène! Bon, lui, je le laisse. Sert des clients, ok. Non, je n'engagerai pas de vendeurs. Il y a assez de vendeurs en fait. Je sais pas comment vous vous démerdez, mais ils sont tous en train de se promener. Il n'y a pas de vendeurs dans les boutiques. Franchement, ils en branlent pas une, mes vendeurs, ça commence à me saouler là. Je vais virer des boutiques comme ça, ils vont comprendre. Et on perd de la thune encore avec eux là. C'est incroyable! Regardez là! Bah non, c'est bon, bah ça s'alterne. Pourquoi là ça s'alterne pas? Ok, c'est bon, elle est là. Qu'est-ce que c'est que ce beans encore là? Moi je paye pas des gens à se tourner les pouces et à se balader dans le parc! Non, c'est pas génial Grounded tout seul. Hein. C'est sympa, mais ça va 5 minutes quoi. Ça va, c'est bon, il y a des employés partout là. Qu'est-ce qu'il me raconte le jeu? Mais c'est là-bas là où ils ont l'air de se faire chier parce qu'il n'y a pas d'attraction et du coup. Du coup, ils s'ennuient un peu, je crois. Mais il y a tout le monde, c'est bon. Oh là 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 là. On gagne plus de thunes là, les gars. Je peux être obligée de faire une zone de farm ici avec que des Vénétiennes carrousel et des teacups, hein, moi je vous le dis. Hein. On n'a pas encore fait l'objet de tests. Oui, mais ça on sait. Faut qu'on s'en occupe la prochaine fois. Bon, bah écoutez, on va s'arrêter là.